is my life. Hey, salut les amis, c'est Black Mage, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui les gars, en cette soirée du mercredi 21 octobre. Attendez, je regarde la date parce que je savais plus combien est-ce qu'on était. Donc les gars, je m'excuse d'abord pour le... comment dire, l'absence de vidéo en ce moment. J'ai sorti ma dernière vidéo il y a 4 jours, en fait voilà, je vous ai pas trop expliqué, mais je suis pas beaucoup chez moi en ce moment, donc c'est compliqué pour sortir des vidéos. Et bon là, je suis chez moi ce soir, donc j'en profite pour sortir une vidéo sur les derniers événements récents sur Fortnite. Donc je viens, du coup je vous sors un petit peu en retard parce que la mise à jour Halloween est sortie ce matin ou hier, je sais plus. C'est ma soeur qui m'a dit qu'il y avait une mise à jour en fait, et du coup je viens de regarder. Donc du coup j'ai déjà commencé des films, mais je n'ai jamais été, j'ai pas lancé de partie encore hein. Ma soeur a lancé une partie tout à l'heure mais j'étais pas là. Du coup voilà, je sais pas du tout comment ça se passe, je sais pas du tout ce qu'il y a de nouveau. Donc je sais qu'il y a un nouveau mode de jeu, donc c'est cauchemar solo duo section, donc je pense que c'est le mode norme, c'est le mode solo duo normal quoi, sauf qu'ils ont mis cauchemar, pourquoi je sais pas. Alors apparemment c'est la vengeance de Midas, donc j'ai regardé la vidéo, je vais pas vous la remettre parce que vous devez tous l'avoir vu je pense. Apparemment c'est la vengeance de Midas, l'autorité est devenue une nouvelle ville complètement en ruine en fait, où apparemment il y a des zombies et tout. Bon c'est un peu chelou, j'ai pas encore joué, donc je vais découvrir en même temps que vous. La boutique, écoutez, franchement elle est vraiment stylée hein, on va pas se le cacher, elle est vraiment stylée. Les packs ils ont un peu exagéré, ils en ont sorti 3 en quelques semaines, c'est vraiment chaud. Soldat festif, il est vraiment stylé aussi, donc je croyais qu'il y avait 2 styles mais non. Donc celui-là, en fait faut l'acheter entre le 31 octobre et le 1er novembre pour déverrouiller un autre style. Donc celui-là il est vraiment stylé, je vous avoue. Après c'est que des skins connus hein, oppressor, tout ça. Il y a le pack d'Ardeville qui est sorti également. Donc voilà, celui-là je l'ai pas acheté parce que moi j'aime pas trop. La ghoul, bah du coup je l'ai acheté. La faucheuse elle y est plus mais je l'avais acheté aussi. Vous avez pu voir ça dans mes vidéos précédentes je pense. Et voilà. Bon les gars, écoutez, on va lancer une petite game. Chanson solo là, ouais. On va lancer une petite partie, du coup, on va voir ce que ça donne. Donc moi, voilà, c'est la première fois que je joue, du coup, on va voir ça tout de suite. Il y a le tournoi mercredi en folie aussi, je sais pas ce que c'est un tournoi en trio, mais bon, vu qu'en fait, je suis arrivé chez moi, il y a même pas... quoi, 30 minutes peut-être. Du coup, en fait, voilà, je viens de me connecter, du coup, j'ai pas pu commencer le tournoi, en fait. Alors, du coup, on va voir ce que ça donne. J'ai peur, hein. Franchement, vu ce que Fortnite nous sort en ce moment, j'ai un peu peur. Parce que moi, je prends un coup. Ah, Dios. Je sais pas si vous entendez, mais bon, bref, voilà. Bon. On va regarder. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? En vrai, j'ai peur. Hein. D'un côté, je pense que ça peut être bien, mais d'un autre côté, j'ai peur. Il y a des nouveaux défis aussi, donc il y a 3 nouveaux défis. Collecter des bonbons, devenir une ombre, je crois. Il y en a un troisième. Je sais plus c'est quoi, devenir une ombre, parcourir 100 mètres sur un balai de sorcière et voilà, collecter des bonbons, enfin manger des bonbons plutôt. Alors, apparemment il y a des balais de sorcière également, parce que bon, par contre je pense que tout le monde doit être là-bas, ça doit être hyper chaud. Tout le monde doit aller dans cette même ville, en fait ça doit être un gros bordel. Alors le bus, ouais bah c'est comme chaque année en fait, hein, ils nous l'ont mis en mode Halloween. La nouvelle musique, enfin la musique d'Halloween aussi. En fait, chaque année, c'est un peu pareil. Hein. Bon, là, ils nous ont changé parce que bon, il y a l'autorité et tout qui est pas pareil. Mais sinon, après, tout est un peu pareil. Hein. Donc, les gars, oui, j'aimerais arriver niveau 220 avant la fin de la saison. Donc, en vrai, il y a encore un petit moment. Bon, je suis niveau 206, je pense que ça peut le faire. En plus, là, j'ai l'XP superchargé. J'ai tous mes défis à 10 000 d'XP. Donc, je pense que ça peut être faisable rapidement. Niveau 220, en vrai ça va, il y a des simples je pense. Alors ok, en fait c'est bon, en fait c'est toujours l'autorité. Ok, non, en fait il y a des acolytes. Ok, là il y a un lance-roquette. Il y a un mec avec un lance-roquette. Ah ils ont remis des lance-roquettes citrouille patate là. Putain, c'est pas mal ça. Franchement, c'est plutôt pas mal. Combien est-ce qu'ils font de dégâts? 85 seulement. Oh. Déçu. Ah, je viens de faire un défi alors que j'ai rien fait. Alors, du coup, en fait, voilà, ils ont juste mis une nouvelle ville avec, du coup, bah, un peu tout genre modifié quoi.
Alors comment ça s'appelle? Les ruines. Ah d'accord. Pas mal ça dis donc. Par contre attendez du coup, parce que du coup il y a du monde. En fait personne n'est passé par là quoi. Hein. Tout le monde va en bas direct histoire de faire je sais pas ce qu'ils vont faire en fait, parce que du coup il y a. Est-ce qu'il y a des défis à faire ici du coup? Je sais même pas. Ah je pense que tous les défis collecter des bonbons et tout le bordel ça doit se faire là, mais attends, il y a beaucoup de bruit mais il n'y a pas grand monde. Hein. Franchement j'ai fait qu'un seul kill. Bon déjà apparemment c'est le bordel. Ah wesh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? What? Oh mais c'est quoi? Mais c'est quoi? What the fuck? Ah mais c'est qu'après on devient une ombre! D'accord, mais en fait quand on se fait tuer on devient... What the fuck? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? On respawn, mais c'est n'importe quoi. Mais en fait, il n'y a pas de... What? R2, croix... Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut récupérer le métal et tout? Non, on peut pas. Ah si, on peut consommer. Oh, what the fuck? Ça nous sert à quoi? Ah, ça nous redonne de la vie, d'accord. Ah ouais, c'est stylé, n'empêche. Mais tain, mais c'est complète, c'est complètement con en fait. Du coup il n'y a jamais de gagnant du coup, parce que en fait il n'y a jamais de top 1 quoi, parce que genre en fait vu que vous êtes what the fuck. What? Ah, ça sert à voler, mais en fait une fois qu'on est comme ça faut faire quoi en fait? Mais attendez les gars, mais c'est de la merde. Est-ce que Midas du coup le... Ah bah il est là Midas. Donc du coup est-ce qu'ils ont remis genre... Ah c'est qu'on peut l'attaquer. Pas de réel. D'accord. Et du coup on peut récupérer ses armes et tout le bordel. Ah, on peut danser aussi? Ah oh, oui. What the hell? Mais en fait, mais les gars, mais c'est complètement con. Parce que genre, du coup, en fait, là, il n'y a plus de top 1 et tout. Il n'y a plus, en fait. Il n'y a plus de gagnants. Je gagne pas de vie. Ah, si. Vu qu'on respawn avec ça, en fait on peut se balader sur toute la map avec eux, ou genre on peut se balader que à certains endroits. En fait faut tuer du monde avec ça, mais en fait mais les gars mais c'est complètement con sérieusement. L2 c'est pour aller plus vite, c'est ça? D'accord. En fait là on peut se balader dans la ville, enfin dans la map en fait. On n'a même pas vraiment besoin d'armes en fait du coup. Je viens de voir du monde ici, je rêve ou... Non mais en vrai les gars, en vrai d'un côté, mais comment on fait pour redevenir en mode genre normal? Crouton, ah putain, j'ai peur. What? Attendez, je vais essayer de faire un kill avec ça, mais en vrai... YOLO! What? Ah d'accord, ok. J'ai eu le kill. Putain mais les gars, mais c'est tellement... What the fuck? Des balais même. Attendez mais les gars, mais... c'est quoi ce délire? Mais attendez, mais c'est complètement cheaté en fait. Du coup il n'y a plus moyen genre... En fait vous pouvez même plus faire une partie normale, sinon vous faites emmerdé par ces espèces de bestioles. Bon attendez, vous savez quoi, je vais attendre la fin de la game quand même. Ah en fait, ah d'accord, ok. Il reste 29 personnes normales et là il y a 29 zombies en fait, c'est ça. Mais du coup en fait la partie se termine quand? What the fuck, il y a du monde là-bas. La partie se termine quand du coup en fait? C'est quand il n'y a plus toute personne normale, c'est ça?
Ah, ça se trouve, c'est la dernière personne normale à être, à être devenue zombie. Qui genre gagne. Oh putain, oh what bot. Oh putain, lui il avait un space et tout. Oh, on peut pas prendre. Oh putain, on peut pas prendre leurs armes, je suis deg. Oh, il avait la carte de. What the fuck. Il avait la carte de. Iron Man. Putain, mais les gars, mais c'est n'importe quoi. Mais what the fuck. Mais waouh. Mais en fait, c'est chaud. Par contre, ils ont complètement ruiné l'agence, hein. Enfin, l'autorité. Enfin, oh merde. Les ruines. En fait, du coup, attendez, la partie se termine quand? C'est ça qui me turlupine. Genre, en fait, la partie se termine que quand, genre, il n'y a plus personne en normal, quoi, c'est ça? Ou quand il n'y a plus personne... Bah non, en zombie, non, parce qu'on devient zombie. Donc, c'est quand il n'y a plus personne en normal, je pense. Et ça me paraît un peu con. Attendez, les gars, mais c'est quoi ce mode? Ils font mal, en plus! Ah, d'accord! Et genre, quand vous faites un kill, vous devenez invisible. Stylé, ça. Mais connard! J'ai eu. Et en fait, il faut bouffer des armes et tout pour se remettre bien en vie. Mais les gars, mais c'est n'importe nawak. Mais c'est ouf comment c'est n'importe quoi, sérieusement. Il reste plus que 17 personnes normales, c'est ça? En fait, si vous voulez être bien, il faut camper, quoi, en fait. C'est ça, en fait. En gros, genre... Attendez, mais du coup, les gars, putain, mais c'est complètement con. Attendez, je vais juste récupérer ma vie. On a que 100 HP en vrai, hein. On peut mourir hyper facilement, hein. Ils ont tous des palettes sorcières, c'est quoi ces merdes? Ça fait quoi si on mange une arme mythique? Ah, rien. Mais les gars, mais... Pourquoi est-ce que j'ai des petites croix autour de moi là? Je suis encore en train de gagner de la vie, c'est ça? Franchement, le mode qu'ils avaient fait avec les zombies, genre le mode où les zombies spawnaient sur un espèce de cube et tout, c'était mieux que ça. Hein. Parce que là, franchement, genre, en vrai, on devait tuer des zombies sur la... Genre, les zombies, c'était des bots, vous voyez, c'était bien. Là, genre, les zombies, c'est des vrais joueurs. Dès que vous faites tuer, vous en devenez un. En fait, là, du coup, il n'y a plus de mode solo normal, quoi. Genre, si vous voulez jouer à un mode solo normal, il faut jouer en arène, quoi. Putain, mais c'est complètement con, les gars. Sérieusement. Et donc là, attendez, là, si je meurs en mode comme ça, si je meurs encore, qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que ça a fait, du coup? Est-ce que je respawn en mode normal ou est-ce que... Bah non, je pense pas, parce que... En fait, là, si je meurs en mode comme ça, je crois que je meurs tout court, en fait, ça. Genre, la game est finie. Oh, il y a un glouton. Est-ce qu'on peut l'attaquer? Ah oui. Oula, par contre, il fait mal. Désolé. Non. Tu peux pas construire en plus. Attendez. Faut bouffer des munitions. Aïe. Oh merde, non. Bon, vous savez quoi? Je m'en vais. Il me reste plus que 20 HP. Par contre, je comprends toujours pas qui est-ce qui peut faire un top 1, du coup. Attendez, il n'y avait pas des trucs à bouffer, là, si. Ah ouais! Il y a un mec mort ici. On est plus que 10. Enfin, ils sont plus que 10 en joueurs normaux.
Comment est-ce qu'on fait pour trouver les 10 restants par contre, enfin 9? Bon les gars par contre c'est un peu chiant hein, franchement. Est-ce qu'on peut prendre dans la... Oh on peut prendre des voitures même! Mais bordel! Mais... Merde. Plus d'essence. Attendez mais les gars mais c'est n'importe quoi! Mais putain mais c'est quoi cette merde? Bon par contre ça commence à me saouler un petit peu là parce que on se fait chier hein. Ah il y a un bus, c'est un bus là-bas. Ah il y a un coffre là. On s'en fout MDR, on peut pas l'ouvrir, de toute façon ça nous sert à rien. Il y a un gugus là. En fait vous pouvez absolument pas les tuer les joueurs normaux quoi. Putain alors lui il avait une SCAR, un sniper et tout mais waouh trop stylé. En fait je pense que du coup celui qui fait top 1 c'est le dernier genre. Celui qui n'est pas le dernier à se faire transformer. Mais c'est comme un loup touche-touche en fait c'est ça. Hein, le dernier à se faire toucher c'est celui qui gagne. Je crois hein. Enfin je pense parce que sinon après je vois pas. Hein. Oh attendez. On va faire un de ces trucs. YOLO. On est plus que 5. Putain mais c'est chiant de trouver les gens. Bon attendez. Attendons nous on va faire du ménage. Parce qu'on a rien à foutre de notre. On a rien à foutre de notre vie. Est-ce qu'on peut casser des arbres? En vrai lui je le niquerai bien mais. Il fait hyper mal. Je rigolais. On va laisser hein. On voit que mes yeux mais what the fuck mais c'est flippant. On voit que mes yeux regardez. What? Ah non c'est bon. Attends, mais du coup en fait les gars mais pour finir les défis à ajouter à sa section de quoi? Ah il y en a qui vient de se faire tuer au fusil à pompe mais comment c'est possible? Ils viennent de tuer. Attendez mais j'y comprends rien. Regardez il y en a qui se tuent au sniper et tout. En fait ils tuent des zombies mais alors pourquoi est-ce que ça retire des joueurs dans la liste? What the fuck? On est plus que deux. À donner une vie surnaturelle, c'est ça? Ah, on est plus. Il y en a plus qu'un. Mais du coup, il y en a plus qu'un, donc le dernier, c'est censé être le vainqueur, non? Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Mais les gars, mais bon, attends, est-ce que si je fais ça. Oh, oui! Oh, je passe à travers les. Non! Oh, je passe à travers les murs! Tellement stylé! D'accord. Du coup, en fait, c'était quoi, c'est ça? En fait, il faut que les zombies transforment tous les joueurs normaux en zombies, c'est ça? Bon, c'est un peu damien par contre. Par contre, il n'y a plus le mode solo normal. Hein. C'est vraiment deck. Je suis vraiment deck. Genre, on peut même plus jouer en solo normal. Même si vous sautez dans une autre ville que les ruines, genre, vous pouvez pas jouer en normal parce que vous allez vous faire rusher par des zombies volants bizarres. C'est chelou quand même. Hein. Maintenant, vous avez un balai de sorcière. Ok. Bah écoutez, bah les gars, c'est tout. Hein. Désolé, la vidéo était un petit peu longue pour rien parce qu'on n'a pas fait, grand chose. Mais bon, au moins, on a découvert un petit peu. Donc, du coup, les défis, c'est quoi? Devenir une ombre. J'étais devenu une ombre là déjà, mais genre ça me l'a compté qu'une fois. Parcourir 100 mètres sur un balai de sorcière, ça va être bon et manger des bonbons. Ok, une ombre de Midas. Ok, d'accord. Et dans 3 jours. Ah oui, après c'est qu'il y a plein de défis disponibles encore. Ok. Bon les gars, écoutez, on va se laisser là-dessus. J'espère que ça vous plaira. J'espère que vous me direz en commentaire ce que vous voulez, de ce que vous pensez de la mise à jour. Parce que moi, de toute façon, j'aime pas trop, mais bon, voilà. Si vous en pensez bien, vous me direz bien. Si vous en pensez mal, vous me direz mal. Écoutez, dites-moi votre avis. Et moi, je vous dis à la prochaine sur ce. Et ciao, ciao.